Reynolds qui se penche sur la question du désarmement et de la sécurité européenne. Les objectifs des missiles nucléaires américains sont non seulement dans les pays du traité de Varsovie, mais aussi en Europe de l'Ouest, à Cuba, au Vietnam, en Chine et dans d'autres pays. Espérons, a déclaré Cynthia Roberts, que les mesures de rétorsion des pays du traité de Varsovie forceront le gouvernement américain à rétablir l'État avant le déploiement de nouveaux missiles nucléaires en Europe. Beyrouth. Tandis que les entretiens entre le Liban, la Syrie et l'Arabie Saoudite sur la réconciliation nationale se poursuivent à Riyad, il a déclaré que non seulement les membres du Parti démocratique, mais aussi de nombreux républicains exigent que les Marines américains, qui sont au Liban déjà 16 mois, soient immédiatement retirés. San Salvador. Rassurez-vous, madame. On va s'en débarrasser. C'est un cas, bien sûr, difficile, mais pas insoluble. Écoutez, en fait, c'est un cas fantastique, parce que le garçon, il a grandi sans sa mère, sans son père. Il n'a eu personne pour lui apprendre comment se comporter envers la femme, envers les jeunes filles. Et c'est là qu'il a commencé à s'exhiber. Ça veut dire, il se montrait devant les jeunes filles pour s'exciter. Il ne comprenait pas pourquoi on le poursuivait, persécutait. C'est alors qu'il a compris toute l'atrocité de l'homme, de la guerre. Voyez-vous? Ceux-là, ils n'ont pas peur de la guerre. Ils se défendent contre cette peur. Pour eux, c'est quelque chose qui est très loin. Peut-être que c'est eux qu'il faudrait traiter, et non pas nous. Mais rassurez-vous, tous ensemble, nous allons la résoudre. Thank you.
Madame Roberts qui se penche sur la question du désarmement et de la sécurité européenne. Les objectifs des missiles nucléaires américains sont non seulement dans les pays du traité de Varsovie, mais aussi en Europe de l'Ouest, à Cuba, au Vietnam, en Chine et dans d'autres pays. Espérons, a déclaré Cynthia Roberts, que les mesures de rétorsion des pays du traité de Varsovie forceront le gouvernement américain à rétablir l'État avant le déploiement de nouveaux missiles nucléaires. Wie diese britischen Forschungsmitarbeiterin anführte, die sich mit Fragen der Abrüstung und europäischen Sicherheit beschäftigt, sind die Ziele der amerikanischen Kernraketen nicht nur die Länder des Warschauer Vertrages, sondern auch in Westeuropa, auf Kuba, in Vietnam, China und weiteren Ländern. Thank you.